Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. C'est votre frère Bavon Kasongo Badia dans votre émission Le Parfum de Bonne Odeur pour Jésus. PBOJ. Parfum de Bonne Odeur pour Jésus. Dans votre émission Parfum de Bonne Odeur pour Jésus, aujourd'hui nous allons commencer. Une série d'enseignements, 31 enseignements, 31 leçons, 31 exhortations, 31 partages, puisque vous pouvez nous appeler après l'émission et on va toujours partager, puisque nous connaissons en partie. Vous pouvez toujours nous joindre et puis on va partager. C'est pour cela que j'ai dit 31 partage. Alors, sans plus tarder, je vais lire le texte qui va nous amener au thème, à notre thème d'aujourd'hui. Je lis au nom du Seigneur Jésus dans le livre de Néhémie. Néhémie chapitre 2. Versets 1 à 3. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Au mois de Nisan, la 20e année du règne d'Artaxerxès, comme il me fallait servir du vin au roi, je l'ai pris et le lui ai donné. Jamais encore je n'avais paru triste en sa présence. Le roi m'a demandé, « Pourquoi as-tu mauvaise mine? Tu n'es pourtant pas malade. Ce n'est peut-être qu'une peine de cœur. » Saisi d'une très grande frayeur, je lui ai répondu, que le roi vive toujours. Comment pourrais-je avoir bonne mine lorsque la ville qui abrite les tombeaux de mes ancêtres est en ruine et que ses portes ont été dévorées par le feu? Alléluia. Comment pourrais-je avoir bonne mine si la ville qui abrite les tombeaux de mes ancêtres est dévastée, est en ruine et que ses portes sont dévastées par le feu? Je ne peux pas être tranquille, le roi, mon roi. Ici, nous allons traiter un sujet que j'ai intitulé la restauration divine. La restauration divine pendant 31 jours. Ce ne sont pas les jours successifs, hein, puisqu'on va sauter des jours. Pendant ce temps-là, nous allons parler de la restitution, de la restauration, pas de restitution, restauration. Restaurer, c'est quoi? Restaurer, c'est réparer. Restaurer, c'est encore redonner. Donner une nouvelle forme, c'est remettre en bon état, ou encore rétablir. Voyez, on peut remettre en bon état, par exemple, cette chaussure. Au fur et à mesure qu'on va la porter,
elle va se détériorer. Elle va devenir mauvaise. Vous voyez, elle va perdre sa beauté. Et si elle se casse en dessous, par exemple, on va l'amener chez les cordonniers. Celui-ci va remettre une nouvelle forme, va lui donner une nouvelle forme. Et on va dire qu'il a restauré ma chaussure. On peut aussi restaurer un livre comme celui-ci. On peut prendre un livre et restaurer. On peut restaurer un monument. On peut restaurer un vêtement. Ça dépend de la valeur que vous accordez à cette chose-là. Alléluia. On peut restaurer une maison, une villa. Et ici, Dieu nous amène dans une histoire qui se passe dans la cour du roi. Une certaine catégorie de gens a été amenée de force la déportation en Babylonie. Alléluia. Chez les rois de Perse, il y a eu beaucoup de gens. Mais parmi ces gens-là, on a choisi quelques personnes qui devraient continuer à servir, qui devraient continuer leur captivité, mais tout en servant dans la cour du roi. C'est ainsi que le jeune Néhémie s'est retrouvé parmi ces gens-là. Les gens qui devraient servir le roi, tout en étant esclaves. Voyez? Et un jour, vous comprenez déjà que c'est un jeune qui a fait beaucoup de temps dans la cour. Le roi le connaissait déjà. Et un jour, le roi va porter son observation sur lui. Il le regarde, il dit, après qu'il ait servi le roi le regarda et il dit, « Ah, tu n'es pas malade. Tu ne me parais pas malade, mais tu n'as pas une bonne mine. » Tu vois, qu'est-ce qui se passe? Tu es en bon état, tu es bien, mais je te vois triste. En d'autres termes, tu vis dans la cour. Là où il y a tout à manger et à boire. Tu ne peux pas manquer un endroit pour dormir. Mais tu es triste. Alléluia. Beaucoup de gens sont comme ça. Il a tout ce qu'il faut. Où ils ont tout ce qu'il faut. Mais il est toujours triste. Alléluia. Donc, quelque part, il a un souci que l'autre ne peut pas voir, que l'autre ne peut pas comprendre. Il a un souci en lui. Alléluia. C'est ce souci-là que le roi a constaté sur Néhémie. Et il lui dit, jeune homme, je ne pense pas que tu sois malade. Sinon, mes services devraient me renseigner. Mais je te vois tout le temps, je te vois aujourd'hui, tu es malade. C'est comme si tu es malade. C'est comme si tu as quelque chose, tu es triste. Qu'est-ce qui se passe? C'est ainsi que le garçon a commencé à parler au roi.
il va prendre l'expression que le roi accepte. Il faut d'abord faire voir au roi qu'il n'y a que toi sur terre. Il n'y a que toi dans cette cour. Il n'y a que toi dans ce pays, dans cette nation. Il dit au roi, gentiment et poliment, il dit au roi, vive le roi. Alléluia. Il le fait voir au roi que je n'ai pas d'autre que toi que je dois respecter. Même si je suis affamé, même si je suis triste, même si je suis malade, je dois d'abord te dire que tu dois régner à jamais. Or que dans son cœur, dans son âme, il y avait autre souci. Alléluia. Ce n'était pas la santé du roi qui l'embêtait, non. Ce n'était pas qui le préoccupait, non. C'était le souci de son pays. L'amour patriotique que toi, peut-être, tu as vidé dans ton cœur. Non, prends l'amour patriotique. Ça doit être dans ton cœur. Alléluia. Il dit au roi que tu vives pour toujours. Mais roi, attends. Comment pourrais-je être libre? Comment pourrais-je être calme? Comment pourrais-je manger très bien et dormir très bien pendant que... Et là, il cite deux choses. Alléluia. Il va parler de fondement en termes de bâtiment et il va parler des fondements en termes de l'âme. Comme Dieu a fait, il a fait parler quelqu'un. Esdras, chapitre 4, verset 12. Là-bas, Esdras dit, nous, les gens que tu as laissés retourner en Israël, ils vont rebâtir, ils vont restituer. Ils vont restituer leur fondement. Alléluia. Et dans les psaumes de David, David va dire, il va pleurer à Dieu. Il va s'incliner devant le trône de l'Éternel pour reconnaître qu'il était faible et qu'il lui faudrait une restauration. Il lui faudrait un rétablissement. Il lui faudrait un secours. Et David dit dans Psaume 23, il dit à Dieu, il me... L'Éternel est mon berger. Il me conduit près des eaux paisibles. Et il restaure mon âme. Alléluia. Après avoir été conduit près des eaux paisibles, il a dit, il a confirmé que l'Éternel restaure mon âme. Restauré. Voyez? Esdras dit, Esdras chapitre 4, c'est encore bien de lire, hein? Ça fait du bien. Esdras chapitre 4, verset 12, vous pouvez lire tous les livres d'Esdras et comprendre le retour des Israélites, des Israéliens, des enfants de Dieu dans la terre promise. Lorsqu'ils sont arrivés, on les a comptés. Telle tribu, telle tribu, telle tribu, on les a comptés. Et on les a demandés à ce qu'ils puissent rebâtir, à ce qu'ils puissent restaurer les fondements qui étaient détruits pendant la captivité. Alléluia. Il dit, roi, tu dois savoir que les Juifs partis de chez toi et arrivés près de nous à Jérusalem reconstruisent cette ville. Cette ville rebelle et mauvaise, vous voyez, en relève le mur
et en restaure les fondements. Esdras, chapitre 4, verset 12. Il dit, ils rebâtissent la ville qui était devenue rebelle et mauvaise. Ils vont relever les murs tout en restaurant, tout en restaurant. Ils n'ont pas dégagé, ils n'ont pas mis de côté les fondements qui étaient là. Non, ils ont restauré la restauration des fondements. Alléluia. Et ici, David, lui, il parle de la restauration de l'âme. L'Éternel est mon berger. Il restaure mon âme. Il dit, chapitre 23, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. 1. Il me dirige près des eaux paisibles. 2. Et 3. Il restaure mon âme. Dans d'autres versions, je vous ai parlé de la restauration. Il est écrit, il me redonne des forces. Il restaure mon âme. Mukulu TV, votre émission s'appelle Le Parfum de Bonne Odeur pour Jésus. Mais la télé, elle, s'appelle Mukulu TV. Donc, Néhémie a cherché à aller reconstruire, rebâtir les murailles de Jérusalem. Il parle avec gentillesse. Il demande l'argent, comme beaucoup le font, pour construire, pour le travail, pour l'œuvre du Seigneur. Mais beaucoup n'arrivent pas avec cet argent jusqu'à Jérusalem. Ça devient leur propre bien. Nous ne sommes pas là. Aujourd'hui, nous introduisons notre enseignement, notre série d'enseignements sur la restauration divine. La restauration divine, c'est quelque chose de très merveilleux dans la vie d'un enfant de Dieu. Dieu regarde ton cœur et il veut que tu sois dans une vie en abondance, une vie abondante, une grâce abondante. C'est pour cela qu'il vient toujours te visiter, comme il avait visité les deux premiers homme sur terre. Tous les soirs, il venait. Adam, tu es où? Ève, tu es où? Adam, tu es où? Alléluia. C'est pour cela que Dieu vient tout le temps. Il te regarde. Il sait que tu es tombé. Il sait, mais il n'attend que ton oui. Oui, Seigneur, j'ai péché. Et Paul dit aux Romains, tous ont péché et sont privés de la gloire de l'Éternel. La restauration ne vient pas seulement parce que nous avons bien mangé, nous avons bien fait ceci, cela, mais non, la restauration vient parce que nous sommes en bonne et difforme avec Dieu. Dieu veut nous donner une nouvelle vie. Dieu veut nous donner une nouvelle force.
Dieu veut nous donner une nouvelle image. Il ne veut pas nous voir détériorés. Avant, l'homme vivait plus de 900 ans. L'homme vivait comme ça. Mais aujourd'hui, si tu as vécu 50 ans, tu es heureux. Alléluia. Beaucoup de gens meurent à l'âge trop bas. 20 ans, 25 ans, 30 ans. Parce qu'ils ont détérioré leur corps avec l'alcool, avec la cigarette, avec la cocaïne, avec beaucoup de choses. Alléluia. À cause d'une blessure intérieure, à cause d'un souci, l'homme va se détruire lui-même. Tout en pensant que l'alcool, trop d'alcool, va amener beaucoup de restauration. Tout en pensant que la cigarette, ça va améliorer, ça va m'enlever les soucis, comme l'alcool. Non, ça détériore le corps. Et si tu ne t'approches pas à celui qui peut restaurer ton corps, tu vas mourir. Comment pourrais-je être bien, même si je vis dans la cour, même si je vis dans ta maison? Comment pourrais-je être à l'aise quand on m'annonce que le tombeau, la ville qui abrite les tombeaux de tes ancêtres est en ruine et ses portes ont été dévorées par le feu? C'était une période de turbulence pas possible.